le parti lumumbiste unifié à l'heure de sa redynamisation. Les échéances électorales approchent et au Palu, le secrétaire général et chef du parti Godefroy Mayobo met toutes les batteries en marche. Parti de masse, le Palu a convié sa base à cette matinée politique pour lui faire la restitution des résolutions prises lors de la première réunion interinstitutionnelle du parti organisée le 15 janvier 2022. Pendant ce plénium, il était question pour tous les organes du Palu de s'imprégner des objectifs fixés par le parti. L'an 1 2022, il fallait au Pandango, na Masolo, na Biso. Mais avant Masolo, wana, to sala qui plénier. Il y a un notable Nabiso. Bon, on va dire qu'on va dire pas ça. Tu wapi, tu allez wapi, tu as kende wapi. L'année 2022 doit être une année du décollage pour les Palus. Ainsi, plusieurs actions sont envisagées, a annoncé Godefroy Mayobo, secrétaire général et chef du parti cher à Antoine Gizenga et Patrice Emery Lumumba. En 2022, Godefroy Mayobo veut voir le drapeau du Palu flotter dans toutes les parcelles. Il était important que nous puissions restituer toutes les résolutions de ce plénium-là à la base. C'est comme ça qu'on a réuni la base pour cela. Le deuxième temps fort a consisté à lancer le décollage du parti Lumumbiste Unifié. Vous savez, c'est un parti de masse. Et nous avons pensé que pour bien décoller, il faut désigner, choisir quelques actions que nous devons mener pour permettre à ce que le parti puisse bien fonctionner. Les militants et militantes du Palu qui ont reçu le message de leur secrétaire général Godefroy Mayobo ont promis de travailler pour hisser haut le drapeau du parti Lumumbiste Unifié.